Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va proposer une recette pour faire plaisir à vos enfants. C'est un pot au chocolat, une recette très facile, des ingrédients simples et on n'a pas besoin de le cuire au four. Maintenant, je vous laisse avec les ingrédients. Pour préparer cette recette, on aura besoin de 1 demi-litre de crème fraîche, 250 g de chocolat noir fondu, 25 g du miel et 50 g de beurre pommade. Pour commencer, on fait chauffer notre crème avec du miel. Après l'ébullition de notre crème, on verse sur le chocolat fondu. On va le verser trois fois pour faire l'ébullition. On ajoute une deuxième partie. Et on commence à émulsionner. Quand notre appareil est bien mélangé, on va incorporer le beurre. Alors on va commencer à mélanger jusqu'à ce que le beurre fond dans l'appareil. Quand le beurre est bien fondé et mélangé avec l'appareil, on commence à remplir les petits pots. On va garder notre pot dans le réfrigérateur et dans ce moment-là, on commence à préparer notre décoration. Pour la décoration, on aura besoin de granules de chocolat et du chocolat au lait fondu. La méthode est très simple. On va enrober le granulat avec du chocolat. Pour donner une crotte ou bien une couche croquante et pour l'isoler du humidité du frigo. Quand notre granulat est enrobé du chocolat, on va le verser sur une plaque. On va essayer de décaler un peu les pièces et on garde au frigo. Quand notre granulat est prêt au frigo,
un signe contre pot au chocolat. On commence à décorer. On prend quelques pièces du granulat. On ajoute un peu de pain au chocolat. Et voilà, notre décoration est finie. Bon appétit!